Non, c'est citronné, c'est frais. On parle de Léo là. Un peu moins citronné, mais il a l'air assez frais. Ok, ouais, ouais. Non, franchement, ouais. Je suis même surpris. Voilà. Je suis encore plutôt frais. Non, non, parfait. Alors voilà que. Bah, alors, Non, c'est une très belle variété. Mais c'est l'extérieur déjà, belle... c'est. Non, c'est l'intérieur, la petite coco. Ah, c'est la Cosette, celle-là, ouais. T'as raison, pardon. Ah, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est celle-là. Ouais. Non, non, c'est l'entrée de gamme, mais si vous voulez, si vous hésitez à faire des achats, bah, commencez par ça, ça vous donnerait une idée un peu du suivant de la gamme, quoi. Je sais oui, plus exactement à quel prix elle est, mais c'est bien fait pour le prix. Et puis elle a, je veux dire, c'est pour... Et c'est efficace, ça marche. Déjà... C'est une entrée de gamme, donc on essaye de maintenir, et on arrive à maintenir un prix plutôt bas pour cette variété. Pour que notamment les gens qui fument beaucoup, par exemple parce qu'ils en ont besoin, médicalement parlant, puissent se la fournir. Elle ne produit pas plus ou moins, c'est nous qui faisons l'effort de la garder à bas prix pour nos clients. Ouais, non mais c'est bien en plus parce que sur le côté médicinal, c'est. C'est le côté médicinal. C'est ce qu'il faut. T'as pas le côté lobotomie et puis finalement c'est. Elle a un bon taux de CBD. Très correct. J'ai cru que t'allais dire de cellulite, mais...